Quel est votre prénom à l'état civil? Pardon? Votre prénom à l'état civil. Votre prénom, le prénom. Mon prénom? Oui. Ah, on vient de dire mon prénom tout de suite. Monsieur Diakité, c'est en toute connaissance de cause que je vous pose la question. Non. Tantôt, on vous appelle Aboubacar. Oui. Tantôt, on parle d'Aboubacar Sidiki. C'est Aboubacar Maître. Aboubacar. Oui. Pourquoi vous acceptez qu'on vous appelle Aboubacar Sidiki? Parce que le plus souvent, les noms musulmans sont d'origine d'Orient. Voilà, donc le plus souvent, voilà, les compagnons du prophète Aboubacar Sidiki, le plus souvent c'est comme ça. Hein. Mais nous sommes devant un tribunal laïque. Ici, nous sommes devant un tribunal laïque. Vous devez dire au tribunal chaque fois qu'on vous appelle Aboubacar Sidiki que vous ne vous appelez pas Aboubacar Sidiki. Parce que même dans les actes de procédure, ça revient. Pardon? J'ai dit même dans les documents, dans les actes de procédure, ça revient. Madame. C'est récurrent. C'est pour éviter l'erreur sur la personne. Parce que de façon assez prématurée, vos conseils ont parlé d'erreur sur la personne. Non, moi j'ai été identifié dès que j'ai été arrêté. Hein. Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté par rapport vous pouvez, à ça. Maître. Vous pouvez par la suite produire au tribunal votre extrait d'acte de naissance? Voilà, pour quel est l'intérêt? Ce qui est important ici, c'est Toumba qui est présent ici. Nous voici devant la cour pour des faits, maître. C'est M. Aboubacar Diakité qui est oui. présent. On veut vérifier si c'est vous, effectivement, Aboubacar Diakité. Ah. Oui. Maître, quel est l'intérêt de la question? Monsieur le Président, il peut y avoir une erreur sur la personne. Il peut y avoir une erreur sur la personne, phase, oui. À cette phase, il n'y a pas cette... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. À cette phase, cette question n'a pas été soulevée encore. Hein? Monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire, pour le tribunal, là, c'est la personne poursuivie qui comparaît. Oui, monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire. Je le dis en toute connaissance de cause. Lorsque vous regardez dans tous les documents, tantôt il apparaît Aboubacar Sidiki Diakité, ça ne devait pas être écrit dans des documents officiels. Tantôt c'est Aboubacar Diakité. C'est pourquoi je me pose cette question. Moi, je pense que c'est quelle pas... Quelle est la question que vous voulez poser? Qu'est-ce Mais que vous voulez je lui ai demandé, il a répondu à la question. Je poursuis. Voilà. Parlant de la responsabilité du chef de l'État, d'alors le président Dadis, vous avez fait référence à la théorie de la configuration électronique de l'atome. Vous avez très bien donné la formule. Mais il me semble que la formule 2n carré que vous avez donnée, qui est relative à la physique et à la chimie quantique, n'est pas de Mendeleev. Ce n'est pas de Dimitri Mendeleev. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Vous parlez autre chose. Vous allez jusqu'à Einstein. Je ne parle pas le père de la physique quantique. Moi, je parle de Russe Mendeleev qui a travaillé sur la configuration électronique des électrons. Donc, j'ai posé la question, maître. Mendeleev a travaillé, on doit à Mendeleev ses recherches sur la classification périodique des éléments chimiques. Mais je vous apprends que la théorie, la formule que vous avez avancée ici est du chimiste et physicien autrichien qui s'appelle Paulin. Paulin précisément. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé. C'est pas une question. C'est quoi la question? Alors posez la question maître. De Paulin. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous avez reçu la commission d'enquête internationale? Est-ce que vous n'avez pas été contraint à l'époque? Moi, je n'ai pas eu d'entretien fructueux avec la commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous appelez entretien fructueux? Si je vous ai dit ici pas plus de 5 minutes, donc c'est pas par rapport à une situation aussi importante. Si c'était aussi fructueux,
Donc on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5. Cumulativement. Alors, quelle différence faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président? Mais l'aide de camp, voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, à cet effet, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux? Dans les conditions normales, oui. La mission, c'est ça. N'aviez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page, hein, la page 5, je crois que maître, voilà, pour vérifier ça, la page 5, que vous aviez été directement, vous avez directement reçu des ordres du président dans l'ordre de vous rendre au stade. Vous l'avez, c'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici. Ce que le président lui-même il a dit, ou ce que moi-même j'ai dit. J'ai écouté, c'est vous, avec vous, j'étais avec la semaine passée, non? C'était avant lui. C'était pas lui. C'était pas moi. Voilà. Si je pouvais voir le document. Oui. Vous parlez de quel document? Oui, le document dont vous lisez là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale. Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Non, c'est ça. Page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. C'est pas dans ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegboro est chef d'état-major. Non, ce n'est pas j'avais ça. Ici, il est, ici ça. Je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230. Le lieutenant Toumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non, non, non. Moi, je mets ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que Toumba n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dérobées avec les civils dans les commissariats. C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Okay. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que vous avez, que Elhaj Sellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris. Je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Sellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de chez eux à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. À qui pensez-vous? Il a indiqué il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République Toumba. Qu'avez-vous à dire face au tribunal face à ce témoignage accablant?
Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante, pour voir les débris, les impuretés qui composent l'homogénéité ou l'hétérosité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que c'est, j'ai évoqué la confusion lorsqu'une personne se trouve dans une confusion. Donc, le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, c'est le Dalen Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité, parce que ça, cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez être d'accord avec moi, maître, que il y avait des bérets rouges là-bas, comme d'autres niés ici. Pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien. Ils voient surgir les hommes en bérets rouges et Toumba venir vers eux pour dire « Venez vers moi ». Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. Pourquoi, la confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'âge Selou Dalen Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là. Les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre, vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant, c'est pour la raison là. Nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. C'est, voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tchebro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Je dis, ils ont planifié quoi? Non, je veux, mais voilà, je veux vraiment, voilà, savoir. C'est pas important. Vous êtes avocat de monsieur Tchebro Camara. Ah, d'accord, merci oui. Beaucoup. Vous le savez très bien. Ah, ouais. Répondez maintenant la à la question. Question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tchebro et le président Moussa Dadis Camara? Ah, c'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal.